souvent je mens pour aussi papillonner. C'est ma manière à moi, avec mes yeux d'enfant, de poser les questions à ma mère, de lui demander les clés un peu de comment tu fais pour garder cette imperméabilité, cette étanchéité, pour rester de marbre comme ça, sans tendresse, toujours autoritaire, qui m'a, moi, transmis un peu ces codes-là, c'est-à-dire de rester la tête haute, de jamais craquer, de jamais rien montrer, de toujours tenir. Et c'était ça, ma mère. Dis-moi ce que tu as fait, comment l'as-tu fait, et t'inquiète pas, maintenant tu peux peut-être relâcher les choses, j'ai envie de les gérer, et laisse-moi la main dessus, et laisse-moi tenter de les gérer avec les autres, et laisse-moi tomber amoureux et dire ô combien j'aime les autres. Et c'est des choses qu'on m'a pas forcément apprises, en effet. Je mens, je m'excite pour tous les gens qui lancent des bananes à temps, comme ils lanceraient naturellement des sextos juste pour jouer.